Salut, c'est moi Retriever et aujourd'hui on se retrouve pour le premier gameplay. Les amis, on se retrouve sur Call of Duty 2. Alors je vous explique, je compte faire tous les Call of Duty qui sont sortis sur Xbox. Voilà, donc que ce soit de la Xbox 360 à la Xbox Series X. C'est parti, on lance. Ce fameux fond d'écran est quand même nostalgique. Call of Duty 2. C'est vrai que le premier est disponible que sur Xbox 360 Arcade. Je sais pas du tout comment on peut l'avoir. Dites-moi si vous y connaissez, si par exemple faut acheter une console. S'il faut acheter du coup une console 360 Arcade. À ce moment-là, vous inquiétez pas, je ferai le premier. Donc Call of Duty 2, Moscou 1941, c'est parti! 1939. L'armée allemande se lance à la conquête de l'Europe. La première à tomber est la Pologne, puis le Danemark, la Norvège, la Belgique, le Luxembourg, la Hollande et la France. 1941. Avec une armée de plus de 7 millions de soldats, l'Allemagne se tourne vers l'Est et entreprend l'invasion de l'Union soviétique. Utilisant la tactique du Blitzkrieg, la progression allemande est rapide et irrésistible à travers les défenses soviétiques, et les troupes atteignent Moscou en 4 mois. Du fait du manque de renforts, la défense soviétique à Moscou repose sur des milliers de recrues inexpérimentées qui doivent résister aux Allemands bien entraînés dans le froid implacable de l'hiver russe. Waouh. Pour l'époque, je suppose que ça devait être une grande nouveauté. Et même moi, là maintenant, avoir un peu cette cinématique avec des vrais personnages. Franchement, c'est un gros plus. Voilà, il faut le dire que j'adore. Donc, on va quand même lire la petite lettre là. Ainsi, on aura découvert le jeu, la campagne à 100%. Donc, 16 décembre 1941, 22 h, Moscou, neige, moins 15 degrés. Dans quelques heures, je rejoindrai mes camarades pour la défense de Moscou. Les Allemands ne sont qu'à quelques kilomètres et de nombreux civils, y compris la plupart des membres de ma famille, ont été tués par leur artillerie. Même si je n'ai jamais tenu un fusil, je suis prêt à apprendre et à faire mon devoir pour protéger notre parti contre le fasciste. Soldat Vassili I. Kozlov, division de fusiliers. Bienvenue à l'instruction de base, camarade. Si vous voulez survivre, vous ferez exactement ce que je vous dis. Bon, avancez jusqu'à cette Ok. table et prenez ces armes. Ok. Alors, ça fait très bizarre là, les amis. Tu vas devoir faire plus vite que ça, camarade. J'ai Il pas va te d'armes là, falloir une moi. arme, et une vraie, si tu veux tuer les fascistes. Regarde ta boussole. L'étoile t'indique l'emplacement de ton objectif actuel. Maintenant, va dans l'armurerie et prends un fusil et un pistolet. Allez! Les armes sont sur la table, camarade. Merci. Bien. Maintenant, on va voir le commissaire Detlev. Allez! On peut pas courir ou... C'est un peu bancal le déplacement. Très bien, camarade. Pense toujours à regarder l'étoile sur ta boussole pour connaître l'emplacement de ton objectif. Bon, Vassili, montre-nous si tu tires bien. Vise un de ces nounours. Viens par ici et frappe ce mannequin avec ton fusil. Ça suffit, camarade. Venez par ici et prenez une grenade. Ce sont des patates, camarade commissaire. Pourquoi on se sert de patates au lieu de vraies grenades? Parce que les vraies sont précieuses. Bien plus précieuses que la plupart d'entre vous. Oui, camarade commissaire. Excusez-moi. Parfait. Très bien, camarade. Camarade commissaire! Camarade commissaire! On a un prisonnier. Venez voir. Halt!
Hören Sie auf! Bitte töten Sie mich nicht! Unsere Truppen umzingeln ihre Position schon im Südostsektor. Derrière nos lignes. Und sie werden von Kettenfahrzeugen und Artillerie unterstützt. L'artillerie mobile en soutien. Un assaut allemand se profile au sud-est, camarade. Ça a l'air sérieux. Écoutez-moi, il y a une armurerie à l'est dans la cave d'une maison. Allez-y et faites-le plein de munitions et d'équipements. Je reste ici pour m'occuper de notre invité. N'oubliez pas ce que vous avez appris. Bonne chance. Ok. Voilà les Allemands. C'est parti, les gars. Le son n'est pas trop fort parce que moi il me nique un peu les oreilles, je l'avoue. Nous allons détruire quelques bombes à faire peur, camarades. On a attrapé un pistolet mitrailleur et assurez-vous de les charger. Vérifiez toujours que votre chargeur est plein quand vous partez au combat. Allons-y, camarades, montez à l'échelle. C'est parti, les amis. Vas-y, attends, pas d'imprudence. Lance une grenade fumigène pour nous dissimuler. C'est trop à droite. Lance plus à gauche. Ah, ok. Attendez, laissez la fumée se déployer. Bougez pas, camarades! Encore un instant! J'attends. C'est bon! On y va! En avant! Je suis. Yvon! Je suis quelqu'un sur l'exprès. Yvon! À couvert, dépêchez-vous! Franchement, le gameplay est assez dur à jouer. Derrière les caisses! Rache les zombies! Battez-les! Détruisez ce pantalon de peur!
Kiosk! À couvert! Deuxième étage! À l'intérieur de ce bâtiment! Franchement, le jeu me fait beaucoup penser à un peu Medal of Honor. Bon sang ! Je croyais que c'était juste un entraînement ! Il n'y a pas de meilleur entraînement, camarade, que de devoir se battre pour survivre. Et on débloque le premier trophée. Il est stupide de vain de pleurer des morts. Nous devions plutôt remercier Dieu qu'il était vaincu. Général George S. Patton. On va continuer un peu, on va faire une mission peut-être en plus. Aujourd'hui, nous avons reçu l'ordre de renforcer nos positions au nord de la rue Slochney, mon unité a subi de lourdes pertes depuis notre arrivée à Stalingrad. En septembre, beaucoup ont été tués pendant la traversée de la Volga avant de pouvoir poser le pied en ville. J'ai perdu le compte des Allemands que j'ai tués, mais ce dont je suis sûre, c'est que ce n'est pas encore assez. Soldat Vassili. Donc, on a un Gart, du coup, nous sommes le soldat Vassili, et franchement, ce personnage, du coup, je ne l'ai jamais joué, mais j'espère que je vais aimer ce personnage. Alors déjà, on a vraiment... on est déjà plongé direct dans la série, hein. C'est ça qui est bien. Démolition. Le corps militaire médical allemand se tient prêt à secourir tous les honorables camarades soviétiques qui demanderont des soins. Jetez vos armes et rendez-vous à la patrouille allemande la plus proche. Il n'y a rien de plus facile. Camarades d'Union soviétique, ce terrible bain de sang entre nos deux nations est inutile. Le peuple allemand n'est pas votre ennemi. Rendez-vous, nous vous traiterons bien. Vous aurez de bons repas chauds et copieux, des vêtements secs et vos plaisirs que vous souhaitez. Les Allemands sont vous. Camarades d'Union soviétique, êtes-vous fatigué? Nourriture, vêtements secs, soins médicaux. Il y a un endroit qui s'attend à l'hôpital de campagne allemand le plus proche. Du coup, on a une petite propagande qu'on entend. Et franchement, ça nous plonge vraiment dans le délire. J'adore. A priori, là, il n'y a plus personne. Ok, ok, ils sont tous là. Ah non, c'est des alliés. Non, c'est des méchants, c'est des méchants. Il y a une femme avec nous, si j'ai bien entendu. Ok. Exactement, on a une meuf. Je recharge. Ça s'appelle Diana, si je me trompe. Ok, là on est avec notre petite squad. Il a explosé. Oh là, ouh, pardon. Le corps militaire.
militaire médical allemand se tient prêt à secourir tous les honorables camarades soviétiques qui demanderont des soins. Jetez vos armes et rendez-vous à la patrouille allemande la plus proche. Il n'y a rien de plus facile. Camarades d'Union soviétique, ce terrible bain de sang entre nos deux nations est inutile. Il était temps que vous arriviez. Pas votre ennemi. Par ici, camarades. Rendez-vous. Nous vous traiterons bien. Par ici, camarades. Vous aurez de bons repas chauds et copieux. Des vêtements secs. Et vos blessés seront soignés. Les Allemands. Ça, c'est... Nous ne sommes pas assez nombreux. Ils vont nous submerger. Restez sur place. On doit tenir jusqu'à l'arrivée des renforts. Le poste de secours de la rue Soleshnaya compte sur nous pour stopper cette fâche. Ok, un sniper ici. Tenez bon, camarades! Ils doivent pas passer! Doucement, camarades! Attendez qu'ils soient tout prêts! Camarades! Pour la grande Union soviétique! Et pour notre glorieuse mère patrie! Préparez-vous! Les voilà! Wow! J'adore ce jeu. Un petit début comme ça là. Bam! Ah, il a bougé! Je me demande c'était quoi la différence entre les deux tenues de l'armée allemande. Parce que les gens qui avaient des masques à gaz et tout étaient plus gradés ou quoi? Ou est-ce que justement ça c'était des gens qui s'entraînaient un peu comme nous? Je sais pas du tout et du coup ça m'intéresse un peu de savoir. Par contre, on va pas mentir, le jeu est largement jouable. Hein. Évidemment, vous allez me dire, je joue en bleu, mais c'était pour un début. Au moins, je ne me prends pas la tête. Et je crois que tous les jeux, je vais les faire comme ça. Hein. C'est simple, pas compliquer la vie. Moi, ce que j'aime bien, c'est pas du challenge, c'est vraiment l'histoire que j'adore particulièrement. Ah, je l'ai pas eu.
J'avais également fait il y a pas longtemps sur Twitch. Vous pouviez venir me voir jouer au jeu, etc. C'était assez sympathique. Je joue en mode en ligne. Donc si jamais ça vous intéresserait, il est possible qu'un jour je rejoue à tous les Call of en ligne. Comme je l'avais fait à l'ancienne lors d'une soirée. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je passerai mon Twitch et tout dans la description si ça vous intéresse également. Oh, les deux en même temps! Je crois que c'est ça, hein, du coup, les deux en même temps. Allez, on avance! Et monsieur, c'est parti, mission explosion. Julia, je recharge, couvrez-moi. Les charges sont posées, éloignez-vous. On s'arrache. Let's go, on va tout faire exploser les amis. Éloignez-vous du bâtiment. Et vu que je peux pas courir, je vais à deux à l'heure. Attention, magnifique image. Boum. Ouh là là, il y a de la poussière. La neige est aussi très belle pour un jeu, franchement. La campagne britannique est débloquée dans le menu choix des missions. D'accord. Mission suivante, souviens de quitter. Les amis, ça fait 30 minutes que je live. Je vais m'arrêter maintenant. C'était... déjà, je vais sauvegarder et quitter pour éviter d'avoir le son. Mais c'était trop bien. J'ai adoré. La prochaine fois, on continuera. Du coup, ici, on a le choix des missions. Je vais le voir. Donc, je sais pas encore comment ça fonctionne. Là, je crois qu'on est... Si je dis pas de bêtises...
D'accord, en fait, il y a différentes batailles. Il y a la bataille d'El Almia. Celle-là, on l'a pas faite. Est-ce que c'était... Celle-ci, c'est ce qu'on est occupé de faire. Donc, on est avec la guerre hivernale, voilà. De quoi voilà. On est occupé de faire celle-là. Tout c'était un plaisir. J'ai hâte de faire tout le reste. Franchement, c'est un Call of que j'apprécie particulièrement. Je trouve qu'il est cool. Même pour si c'est un jeu qui date, franchement, il est adorable. Et j'ai hâte de le terminer. On va poursuivre ça tout au long de cette année 2023. Et j'espère pouvoir finir tous les Call of avec vous. En tout cas, c'était Red River. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Et sur ce, on se retrouve pour le deuxième épisode. Je ne sais pas. Let's go. Ciao.